Voici l'agent Mallory, responsable de notre unité d'intervention spéciale, entraîné par le gouvernement à faire face aux missions les plus extrêmes, et dont le cadre dépasse parfois les normes habituelles. Mallory, je vous présente Carmilla Belladone, attachée de presse du Vatican. Enchantée. Qui d'autre encore est au courant? Personne, à part moi et les services de sécurité du Vatican. C'était l'air de meilleurs hommes. Des nuls? On ne continue pas à tirer sur des non-morts quand on voit que cela ne les affecte pas. Des non-morts? Où donc allez-vous chercher des absurdités pareilles? Ces terroristes portaient juste des gilets pare-balles. C'était des non-morts. En moins d'une demi-heure, ils ont pu nous attaquer à l'église et kidnapper le pape à plus de 600 km de là. Moi non plus, je n'y croyais pas avant, Miss Belladone. Personne n'a envie de croire à ça. Ineptie. Vous savez, j'ai lu beaucoup de choses sur votre brigade spéciale. Le pape lui-même comptait faire démanteler votre bande de mercenaires superstitieux. Aux mœurs, plus que de... Miss Mallory! Ma bande de mercenaires superstitieux vient de se faire démanteler par vos soi-disant terroristes. Lâchez-moi! Un de mes coéquipiers est mort en voulant protéger des gens bien comme vous. Le pape se sentait... se fait enlever sous le nez de vos meilleurs hommes. Dans moins de 24 heures, sa photo sera à la une de tous les journaux. Je suis la seule à pouvoir le retrouver. Et vous venez ici critiquer mon travail? Débrouillez-vous toute seule. Mallory, attendez! Une condition. C'est moi qui fixe les règles toute seule. Et si vous n'êtes pas contente, allez voir mes concurrents. Si tu oubliais...